I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Eh bien oui, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien à la maison. Bienvenue à cette 6e édition du Wrestle Rock Podcast, consacrée uniquement à la lutte professionnelle. Je suis Benoît Laferrière et je co-anime avec mon grand ami de toujours, Jonathan Drapeau. Comment ça va, Jo? Hey, salut Ben, ça va bien? Très bien. Yes, gros contenu cette semaine. De grosses surprises attendent ouais, oui, nos sûr. Auditeurs. Yes, alors commençons tout de suite. Eh bien, paraît-il qu'il y a une petite... Petite information que sur Paige, l'ancienne championne des divas de la WWE, Paige fera un genre d'apparition en Angleterre dans la fédération de ses parents, je crois. Oui, c'est ça. Dans le fond, Paige a annoncé sur son compte Twitch, dans le fond, qu'elle allait aller à la WAW, dans le fond, la fédération familiale de l'époque qu'on a pu voir dans le film hollywoodien sur l'histoire de Paige. Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Paige, gros background, puis beaucoup changé dans les dernières années. C'est démarqué. C'est bien métamorphosé ouais, aussi. Oui, vraiment. Donc, ensuite, Samoa Joe est revenu à la WWE. Oui, il y a à peu près 15 jours, une quinzaine de jours. Oui, c'est ça. En tant que conseiller spécial de William Regal, si on veut. Oui, c'est tellement de bonnes choses, honnêtement. Puis, une chance que Triple H est encore dans l'entreprise de la WWE. Ben, il va toujours l'être. Oui, c'est ça. Puis, c'est l'une des raisons principales. Il y a eu une entente, tu sais, c'est Vince McMahon, je crois, qui avait donné l'ordre de faire des dégâts dans les dernières semaines suite au congédiement de certains lutteurs. Et puis Triple H a ramassé la balle au bon et puis a recontacté Samoa Joe. On a la preuve que Triple H, il a du pouvoir, il a son mot à dire. Puis s'il y en a un qui peut faire changer d'avis à Vince McMahon, c'est bien lui. Oui, puis faire changer... pas la visibilité, mais... Pas la mentalité. Ouais, la mentalité, c'est ça. La mentalité de la WWE est en train de changer tranquillement. On est comme dans la courbe du changement. Donc, je crois que dans les prochaines semaines / mois, Samoa Joe n'a pas fini de nous épater. On sait que Samoa Joe, grand lutteur, qui a lutté au Japon, à la Ring of Honor, à la TNA... il a fait le tour du monde. Cet athlète a fait le tour du monde. Ouais, il nous a toujours impressionnés de par son imposance, on peut dire ouais, ça. Oui, sa posture. On se souviendra. Moi, c'est un de mes matchs préférés à vie. Oui, vas-y. Ça fait partie d'un de mes 5 meilleurs matchs que j'ai vu dans ma vie. Il avait affronté le lutteur japonais Kenta Kobashi. Ah, c'est un addictif. C'était succulent. Pour vrai, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie. Ça, c'est-tu ça, la Ring of Honor? C'était oui. Kenta Kobashi avait fait une apparition. Ben oui, un peu comme Joshua Liger dans Weekend of Thunder. Ouais, c'est ça. Ah, ça devait rentrer. Ouais, ça rentre à tabarnouche. Puis, j'ai pas compté le nombre d'athénies, c'est des chops pour nos collègues français. Salut les Français, j'espère que ça va bien. Vive la France! Vive la France, les amis! Merci de nous supporter, les Français, à part yes, de ça. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il doit se donner environ une centaine de chops, je pense, dans ce combat-là. C'est assez impressionnant. Donc, poursuivons avec la NXT. Le In Your House du 13 juin. NXT, Takeover In Your House. C'est ça, exact. Eh bien, on va parler du premier combat, bien entendu. Oui, tu peux y aller. Qui impliquait Bronson Reed, le champion nord-américain, et les champions par équipe MSK, composés de Wesley et de Nash Carter, qu'ils ont vaincu Legado del Fantasma, Santos Escobar, Raul Mendoza et Joaquin Wild. Un match quand même assez... Pour une ouverture de show, c'était très bien. Ah oui, ça roulait. Là. Il y a eu beaucoup d'autres voltiges. Personnellement, Bronson Reed, pour un gars d'à peu près 300 livres, style un peu
mélanger Samoan, mélanger Gros Lutteur. Ouais. Il bougeait pas mal ça. Il y a eu, des belles surprises lors de NXT TakeOver In Your House. On en a parlé ensemble juste avant le podcast. Puis on disait que il y avait eu une espèce d'hommage à des anciens lutteurs avec des costumes. Gargano est arrivé avec un costume similaire un peu à celui de Shawn Michaels. Ouais, avec les chaînes, dans les années 90. Ouais. Puis il y a eu le combat spécial avec la ceinture de Ted DiBiase. Oui, le Million Dollar Belt. L'un des lutteurs était habillé un petit peu comme Razor Ramon. Honnêtement, ça a été... Matt Cheshall de WrestleMania 10, bien sûr. Ça a été vraiment une belle expérience de ramener, tu sais, le In Your House. Puis en plus, ils ont ramené Tom Pettigill, tu sais, fameux... L'intervieweur, l'animateur. Ouais, c'est ça, l'animateur. Je trouve que ça a amené quelque chose de le fun, un peu vintage, pour les vieux de la vieille qui écoutaient la lutte. Il y a à peu près 25 ans. Ouais, c'est ça. Il va l'enchaîner avec le deuxième combat de la soirée, qui était un match simple impliquant Xiali et Mercedes Martinez. Moi, personnellement, je trouvais ça ordinaire. C'était pas le meilleur match. Non, c'est ça. Mais ça a duré seulement comme 7 minutes. Fait que le combat, ça s'est passé quand même relativement bien. Mais rien de plus. On sait que Mercedes Martinez est capable de faire des meilleurs combats que ça. T'sais, on l'a vu dans l'Indie avec des... avec des Lufisto et compagnie, puis elle se démerdait là, beaucoup plus qu'en ce moment. Puis honnêtement, c'est un match de quoi? C'est un 6 sur 10. Là. Ouais, 6.5, j'ai été généreux. Ouais. Elle a lutté aussi à la Shimmer, c'est ça? Oui. La Fédération féminine. Corrigez-moi si je me trompe, à la limite, on fera un errata, mais je crois qu'elle avait été championne à Shimmer. Ah, c'est une fédération entièrement féminine basée, comme Fan Fatale au Québec, puis la Alf à l'époque. Ouais, c'est ça, exactement. Sans contredit, le prochain combat est le meilleur combat de la soirée, le ladder match pour le Million Dollar Championship, impliquant LA Knight et Cameron Grimes, c'est ça? Oui. De très bons spots. C'est une des raisons pourquoi on a décidé de l'écouter, tu sais. Voir le Ted DiBiase, la légende, c'était plus que beau. Oui, puis c'est vraiment cool qu'ils ont ramené la ceinture de Ted DiBiase pour NXT. C'est vraiment c'est un smart pour vrai, c'est vraiment un bon move que la WWE a fait de ramener le Million Dollar Belt, puis en plus c'était dans un ladder match. C'est pour ça que chose s'est habillé comme Razor Ramon et Levi. Oui, c'est ça. Puis c'était bien comme combat. Comment t'as trouvé ça? Ah, c'est comme je l'ai dit, moi c'est sans contredit le meilleur match de la soirée, un 8 sur 10, qui signifie très bon dans mon échelle d'évaluation. Yes. Le spot de la fin avec l'échelle très bien. En plus, il y avait, je sais pas si t'as remarqué, les auditeurs ont sûrement remarqué, ceux qui ont vu le show d'ailleurs, c'est les signes de pièces sur les échelles. Oui. C'était très bien. Il y avait une échelle comme personnalisée. Oui, exactement, c'est ça. Un beau clin d'œil. Oui, c'est ça, un clin d'œil, cherchait le beau, merci. C'est ça. Ensuite, LA Knight l'a remporté dans le NXT du mardi d'après, il s'est reviré contre Ted DiBiase. Ah, ça rentre. Il était hot, Ted DiBiase. Il était encore capable de bumper. C'était beau. Il est capable. Il est encore capable. Exactement. D'ailleurs, Ted DiBiase, c'est un preacher, je pense. Hein? Ouais, enfin, un genre de révérend. Là. Il a été toute sa carrière, mais là, c'est... Il est proche de sa communauté. Oh, exact. C'était un bon monsieur. Tu le vois, c'était un personnage qu'il faisait. C'était un bon Jack. Là. Bon, oui. Ce combat-là... C'est LA Knight qui a gagné, oui. Oui, c'est ça, exactement. Donc, LA Knight est devenu le nouveau champion. Il a confirmé qu'il était vraiment à elle quand il s'est revenu contre DiBiase deux jours après. NXT, c'est le mardi, ça. Oui. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Vas-y. J'ai mis cette petite parenthèse. Non, c'est pas correct. Yes. On va éventuellement vous publier un article dans les prochaines semaines sur Ted DiBiase un petit peu... similaire à celle de Bruiser Brody. Oui, c'est ça. C'est la Brian Pillman aussi. On va pouvoir parler un petit peu aussi du cheminement, tu sais, de l'histoire derrière la ceinture et puis de tous les... qui a été récipiendaire de cette fameuse ceinture. Petite anecdote sur le championnat intercontinental également. Parce qu'ils ont fusionné deux ceintures, puis c'est Pat Patterson qui l'a eu. Oui. Il y avait la championne North American puis Sud American. Ouais, je pense que oui. Ouais. Il faudrait que je recheck comme il faut dans le texte, là, mais on va vous en revenir là-dessus. Yes. Donc, ce combat, revenons à NXT. Rapidement. Oui, bien sûr. Ensuite de ça, il y a eu Raquel Gonzalez qui a battu Ember Moon dans un match simple pour le championnat féminin de la NXT.
Un combat qui était un combat de 10 minutes, un bon combat quand même. Ça... Oui, personnellement, j'ai trouvé ça ordinaire parce que j'aurais pu ouvrir le show avec ça. Oui, exactement, mais je trouve qu'Amber Moon, on dirait qu'elle en a reperdu, peut-être qu'elle filait pas cette soirée-là. Ben, tu sais. J'ai déjà vu meilleur que ça à Raw. Corrige-moi si je me trompe, mais Amber Moon a pas déjà été sur le roster. Oui, exactement. De la WWE. Je pense que c'est. Ou SmackDown. Était à Raw. Était à Raw, ben écoute, mets-toi dans la place de la personne, ok? Oui, c'est ça, tu t'es descends. Ouais, c'est ça. Tu te fais rétrograder, tu sais. Je pense ça qu'on a vécu ça. On a déjà vécu ça dans notre carrière, les rétrogradations. Ben, tu sais, je pense à Finn Balor aussi, qui s'est fait rétrograder NXT, tu sais. Un peu ordinaire. Ouais, juste Fandango quand il s'est blessé. Il était supposé avoir la strap intercontinentale, il s'est blessé. Avec sa chanson, là. Ta-da! Oh, yeah. Est-ce que c'est hot? Ah, moi, il me faisait triper Fandango, mais je comprends pas pourquoi que les gens ont pas aimé ce combat. Ils trippaient pas sur Fandango. Et là, j'ouvre une parenthèse sur Fandango parce que moi, je suis un gros fan. Ouais, vas-y. Mais je sais pas si tu avais déjà lu quelque chose à propos de ça, mais Chris Jericho. Habituellement, lors des WrestleMania, était toujours dans des matchs importants. Ouais, il a battu Chris Jericho à WrestleMania 29, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, très bien, très bon match. Il y avait de la heat entre les deux. Jericho ne voulait pas se battre contre Fandango. Tu as lu ça quelque part dans un site de catch, mon Mark, tout. Yes. Puis, mais malgré ça, le match Chris Jericho a gardé son professionnalisme et ça a fait vraiment un bon combat. Ah oui, c'était un 9 sur 10. Oui, vraiment. Il est toujours de se battre contre quelqu'un d'autre, mais de plus important, mais je me souviens pas qui. Ouais, champion intercontinental à l'époque, c'était qui donc? Ah, ben ça, au plus, ça va nous revenir. Ouais, c'est pas plus grave que ça. Ensuite de ça, Karrion Kross, accompagné de la charmante... La charmante... Comment qu'elle s'appelle déjà, je me souviens pas de ça. Ah, Scarlett, je pense. Scarlett, c'est ouais, ça. Ouais, la blonde. C'est la vraie blonde dans la vie, je pense. Ouais, je crois que oui. Puis ils sont en train de se distinguer, là, ils ont des... Il y a des pourparlers pour aller sur le roster régulier avec d'autres lutteurs. A battu Pete Dunne, Adam Cole, Kyle O'Reilly et Johnny Gargano qu'on a parlé juste avant, qui est habillé comme Shawn Michaels. Il s'agit d'un 5-way pour le championnat NXT Championship. Dans le fond, j'ai trouvé le match très bon, quand même assez bien. Ouais, mais encore une fois... Clôturer un show, c'était bon. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, regarde le tank. Ouais, c'est ça qui me fait... C'était qui quand me fait même... T'aurais pas enlevé 5 minutes facile. Lâcher les combats de 26, 30, 40 minutes, c'est long pour rien. Fait que, tu sais, j'ai l'impression de me répéter, mais ça devient plate pour les fans. Mais sinon, le combat, honnêtement, il était délicieux. On vous a posé la question sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, qu'avez-vous pensé du NXT TakeOver In Your House? On vous laisse répondre, débattre, partager. Et voilà, c'était tout pour le NXT In Your House TakeOver, TakeOver In Your House. Nous allons enchaîner maintenant avec le retour d'une merveilleuse diva de l'époque, Eva Marie. Qui n'a pas fait grand-chose depuis son retour. Hein? Ouais, ben disons que son personnage, c'est un peu une arrogante qui laisse travailler le monde pour elle un peu. Non? C'est Piper Niven qui se bat pour elle, qui s'est battu pour elle le 14 juin. D'ailleurs, ils l'ont baptisé Dowdrop. Ouais. Elle est issue de NXT UK. Et le 14 juin dernier, quand elle a effectué son retour, elle a battu Naomi en moins de 2 minutes avec son Michinoku Driver. C'était assez... Ah, ça assez passé, là. Oui, ça passe en Christy, ça a eu. Ensuite de ça, tu voulais qu'on parle des résultats de LNSL du 20 juin, mon ami? Oui, qui a eu lieu, c'est ça, le 20 juin dernier. On peut parler du pré-show. Voyons, le pré-show, c'est ça? Oui. Voyons, c'est quoi le nom quand ils disent pré-show, là? Les Dark Match? Ouais, Dark Match, mais il y a une autre affaire. En tout cas, ça va m'en revenir. En tout cas, le combat du pré-show, il s'agissait de Natalia accompagnée de Tamina, qui sont les championnes par équipe féminin de la WWE. Elle a battu Mandy Rose accompagnée de Dana Brooke par soumission. Tant qu'à moi, c'est un des meilleurs matchs de Mandy Rose, mais tu vois que Natalia a beaucoup plus d'expérience. Ah ben c'est sûr, tu sais, on en a parlé souvent, elle fait partie de la... des Hart. Elle était bien formée. Tu sais, on sait qu'il y a du bagage derrière Natalia. Fait que, tu sais, c'est elle qui a l'idée pas mal le combat. T'sais. Ouais, elle a bien guidé. Mais quand même, on voit quand même une certaine amélioration sur Mandy Rose. Oui, puis Tamina, j'ouvre encore une parenthèse, mais tu sais, honnêtement, faudrait qu'elle lutte un peu plus. Là, les dernières apparitions de Tamina avaient vraiment fait un bon travail. Fait que, tu sais. J'imagine qu'ils vont éventuellement penser à elle. Peut-être qu'elle est blessée.
elle avait peut-être une blessure, on ne sait pas. Ça, pour l'instant, elle fait le rôle du manager, de la manager. Le deuxième combat, c'était Bianca Belair, la championne de SmackDown, qui mettait son titre de championne face à Bayley. Ouais, ça a été un match, j'ai trouvé quand même stiff, solide, bon spot. C'était un Hell in a Cell en plus. Oh, oui, c'était un Hell in a Cell. Oui, oui. Les spots que Bayley faisait avec la couette, elle l'avait attachée après la corde, après la chaise, c'était comique, c'était innovateur. Yes. C'était un bon combat quand même, un bon 7 sur 10. As-tu remarqué que le costume de Bianca Belair faisait un petit peu Harlem Heat à l'époque? Ouais, c'est vrai, hein? Ouais, un petit côté WCW qu'on parlera plus tard dans une future chronique. Quand elle a passé Bayley à travers des... Elle a voulu comme faire une genre de table de kendo stick à l'extérieur, puis elle a fait un... Oui. C'était Power Slam, je pense qu'elle a fait, ou un Belly to Belly, genre, sur les... Ah oui, c'était vraiment bien. C'est très bien. En parlant de Belly to Belly, Bayley, je trouve que son personnage, j'accroche pas. J'aimais beaucoup, là, tu sais, la petite fille un peu... tu sais, énervé. Ouais, la petite fille qui tapait des mains, on avait parlé l'autre fois. J'ajoute moins son personnage sérieux, cheveux courts, nouveau look, plus dark. Beaucoup de travail, beaucoup de croûte à manger, je pense, pour Bayley, mais c'est mon opinion personnelle. Ouais, il n'y a pas de problème. Ensuite, allons-y avec le troisième combat. Sans contredire le meilleur combat de la soirée. Oui, et probablement une mention peut-être dans le prochain magazine du Pro Wrestling Illustrated. Il ferait peut-être partie des meilleurs combats de l'année. Du moins dans les trois runners-up. Ouais, c'est ça. Donc c'est Seth Rollins qui a défait Cesaro dans un single match. Le combat a duré 15 minutes, mais c'est un feu roulant. Honnêtement, c'était vraiment un bon combat. Beaucoup d'enchaînement, rapidité d'exécution, d'innovation. Tu vois que c'était pas la première fois que les gars luttaient un contre l'autre. Il y avait des moves solides, une bonne chimie, de l'intensité remarquable. Ouais, ça, je l'ai noté d'ailleurs. Combat remarquable. Si vous n'avez pas vu ce combat-là, à la limite, on pourrait même essayer de faire en sorte de peut-être le partager sur nos médias sociaux, mais c'est un combat à ne pas négliger. D'ailleurs, en parlant de bons combats qu'il y a eu cette année, on pourrait rapidement parler du combat qu'il y a eu entre Xavier Woods et Riddle. Ouais, il y a à peu près 3 semaines. Ah, plus que ça, peut-être un mois. Un mois, deux mois. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs combats que j'avais vu depuis un méchant bout. Puis plusieurs m'ont relancé. Tu sais, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet-là. C'est pas, il fera peut-être pas nécessairement partie des 5 meilleurs matchs de l'année 2021, mais j'ai préféré ces deux combats-là. C'était vraiment bon. Il suffit de regarder la chimie entre les deux lutteurs. La chimie était là, les beaux enchaînements. C'est ça. Quand tu évalues un combat, il faut que tu regardes tout de A à Z. Là. Comment tu travailles ta foule, comment tu fais les moves, comment c'est solide les coups. Comment la chimie entre les deux lutteurs aussi, tu sais, comment ils opèrent, parce que tu sais, c'est comme une danse, tu sais, la façon dont ils se placent puis qu'ils se positionnent, puis comment ils sont capables. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un petit peu le même principe avec la lutte et le catch. Donc, enchaînons ensuite avec un combat qui a été quand même très court, 7 minutes. C'était Alexa Bliss qui a défait, dans le fond, Shayna Baszler. Il était accompagné de Nia Jax et de Reginald. Ouais, puis c'était pas un super combat. Il était bon, mais c'était pas un 9 sur 10. Shayna Baszler a fait des belles prises de soumission. Ouais. La partie que j'ai moins aimée, c'est Reginald qui volait la heat. Ouais, puis tu sais, j'aime. Quand Nia Jax a le giflé, j'étais bien content. Alexa Bliss, là, je commence à trouver qu'il étire le personnage, puis que ça commence à devenir redondant, puis ça commence à devenir plate, je trouve. Ouais, mais moi, probablement qu'ils vont sortir quelque chose de bon avec elle prochainement. Ben, dépêchez-vous parce que les fans commencent à trouver si que c'est long et redondant. Si l'on fait gagner ce combat, si on fait gagner le combat Alexa Bliss, c'est bon signe. C'est ça que je veux dire. Ouais, ils n'ont pas fait de jobber. C'est ça. Ensuite de ça, il y a eu nos deux Québécois, nos deux favoris, Sami Zayn, une fois de plus contre Kevin Owens. Sami Zayn a gagné avec son Hell Yeah Kick dans le coin. Je sais pas ce qui s'est passé durant le combat, mais on l'a regardé récemment ensemble. Puis Sami Zayn a fait un saut à l'extérieur, et puis quand Kevin est arrivé pour l'attraper, je crois que Kevin Owens s'est blessé. Bref, d'ailleurs, il annonce qu'il prend une pause. Il prend une pause peut-être 2 semaines, 1 mois peut-être. Là.
Ouais, et quand tu ne vas pas t'absenter pendant 6 mois de temps. Non, c'est ça, quelques jours après, il a annoncé qu'il voulait prendre un petit recul un peu. Là. Bien content pour Sammy qui va rayonner un petit peu plus parce que on s'entend-tu que Sami Zayn est un petit peu le Marty Jannetty de Shawn Michaels. Oui, exactement. Et, au moins quand il a gagné le championnat intercontinental l'année dernière, et il l'a regagné un petit peu plus tard aussi. Il a sorti un peu de l'ombre de Kevin Owens. Oui, vraiment. Pis... C'est mieux démarqué. Oui, c'est ça. Mais gros travail à faire du côté de Sami Zayn. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances pour les prochains mois. Ensuite, nous allons enchaîner avec un match féminin qui n'est pas négligé, que je vous conseille fortement de regarder. C'est Charlotte Flair qui a battu Rhea Ripley par disqualification pour le championnat féminin de Raw, ce qui conclut que Rhea Ripley a conservé son championnat féminin de Raw. Oui, puisque dans le fond, dans les règlements de la lutte, dès que tu es disqualifié, Pinfall or Submission, tu gardes ta ceinture. One fuck Howard Finkel l'a annoncé, Pinfall or Submission. Mais c'était très bon, solide, bonne soumission, une belle chimie entre les deux. Oui, puis on en a parlé souvent, mais... ensemble, mais Charlotte Flair, entre toi et moi, là, c'est... C'est la meilleure du circuit. C'est la meilleure du circuit, pour vrai. Là. Tel père, telle fille. Ouais, ouais. Oh, mais c'est pas souvent ça, tu sais. Non, ça, c'est ça. On pense à... Natalia était meilleure que Jim Neidhart. Ah, oh, ouais, c'est ça. Puis Kurt Henning est meilleur que Ray Saxon. Ah, oh, ouais, c'est ça. Ensuite de ça, il y a eu le combat... Ric Flair meilleur que David Flair. Il est mort, lui. David Flair? Non, le gars qui est mort, c'est Reed Flair. Okay, il est mort d'une overdose de 4-5 ans. C'est le deuxième frère à... Le frère biologique, parce que David Flair, c'est son demi-frère. C'est, okay, c'est okay. Le même père, mais c'est pas la même mère. OK, OK. Super. Ensuite de ça, il y a eu la finale. Le main event, Last Chance Hell in a Cell for the WWE Championship. Ça veut dire Last Chance, si McIntyre perdait, il n'avait plus droit à sa chance au titre de la WWE tant que Bobby Lashley était champion. Qu'est-ce qu'ils vont faire après avec Drew McIntyre? C'est pas eux. Ils vont attendre que Lashley perde la strap. Ils vont le remercier. Ouais, peut-être, je sais pas. Hein? Et mon Dieu, avec sa brosse de ce temps-ci, WWE, il congédie du monde, là, c'est fou. Mais c'était pas un 10 sur 10 combat-là. Là, Bobby Lashley. Là, Il y avait des petits moves hardcore. Ouais, les moves étaient solides. Ouais. Parce que Lashley, c'est comme un Monster Hill. Là, quand il fait de quoi, c'est puissant. Ouais, des gros power slam, des gros power bomb. Voilà. Pour finir avec la WWE, nous avons posé une question sur Facebook. Vous savez que Goldberg, son contrat se termine en 2023 avec la condition de faire deux matchs par année. Ça a été écrit sur différents sites de catch. Eh bien, c'est ça. Étant donné qu'il a affronté Drew McIntyre pour le WWE Championship au Royal Rumble et qu'il a perdu, quel sera son prochain adversaire à Goldberg? Est-ce que ce sera Bobby Lashley pour le WWE Championship? Est-ce que ce sera Roman Reigns pour le Universal Championship? Brock Lesnar pour une quatrième fois, match ordinaire, j'imagine. Ou aucune de ces réponses. Nous vous invitons à répondre et à partager. Oui. Donc, nous sommes maintenant rendus dans la section Indie, AEW et Impact Wrestling. Oui, exactement. On va passer rapidement les différents résultats. Oui, mais avant, tu voulais pas parler de Hall Lesnar et sa charmante fille adoptive, parce que je pense qu'elle est asiatique un peu. Fille du légendaire arbitre Hall Lesnar. Oui, vas-y. Eh bien, la fille du légendaire arbitre Earl Hebner, qui arbitrait tous les main events de WrestleMania à l'époque, elle s'appelle Katie Hebner et elle s'entraîne avec Cody Rhodes comme coach pour lutter fort probablement éventuellement à la AEW. Qui sait, elle pourrait peut-être devenir la prochaine Gail Kim. Ils ont pourquoi le même genre pas. De shape, je pense. Ouais, pourquoi pas. Ensuite de ça, John Moxley et Renee Young sont devenus le 15 juin dernier les parents de la petite Nora. Également, Cody et Brandy Rhodes ont accueilli leur premier bébé le 18 juin, une petite fille nommée Liberty Iris Ronald. Félicitations aux nouveaux parents de la part du Wrestle Rock Podcast. Bon, oui, c'est une petite gentillesse qu'on écrit aux nouveaux parents, surtout dans le monde de la lutte. Ça, ouais, c'est sûr. Sur une note un petit peu plus triste, on a appris que le 23 juin dernier, Melissa Coase, alias Super Genie, qui était la manager de Sabu dans le circuit indépendant, est décédée subitement d'une arrêt cardiaque. Donc, je pense qu'elle l'accompagnait pas et tout quand elle était au Japon. Oui, ça se peut. Tête, tu ouais, mais quand je parle de circuit indépendant, c'est plus... plus aux États. Tu sais... Ouais, elle faisait pas partie de la ECW, non, à l'époque. Ah, ça c'est sûr. C'est plus vers le c'est ça.
Et puis, juste avant aussi, j'ai appris récemment que d'ici à SummerSlam, il y aurait des grands retours dans la WWE. Donc, on aurait le retour de John Cena, The Rock, les Bella Twins, Becky Lynch. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que la rumeur circule dans les noms que mon collègue nomme. Exact. Donc, ça serait peut-être une des raisons pourquoi il y a eu beaucoup de congédiements. Là, ça prend des salaires, ça prend de l'argent pour payer tout ce monde-là. Puis on s'entend que... John Cena va faire prendre des billets, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Puis on s'entend-tu que The Rock, il est pas payé une sandwich au croton, là? Oh non, loin de là. Tu m'avais parlé, je pense, de Shahid Khan, le grand propriétaire de la AEW. Tu me disais qu'au début, il n'était pas convaincu que c'était une bonne chose et il trouvait que c'était très risqué de se partir dans la lutte professionnelle, surtout pour compétitionner avec une grosse compagnie comme la WWE. Cependant, il se dit très impressionné du succès mondial et financier de la compagnie aujourd'hui. Ouais. Fait qu'il ne la regrette pas, là. Non, mais de l'autre côté, moi, je te dis... L'envers de la médaille, ouais. Moi, je te dis l'inverse. Récemment, c'était le contraire. Il semblerait que... les investissements qui ont été faits récemment pour les jeux vidéo. On se souviendra qu'il y a eu un jeu vidéo qui est sorti qui va sortir sur téléphone cellulaire. Il y en a un qui est sorti sur téléphone cellulaire, je crois. Ah oui, ouais, ça a coûté des centaines de milliers de dollars puis sont en train de travailler en ce moment sur une version pour les consoles. Et puis, le père Khan trouvait que c'était... cher payé pour développer ceci et tout en pensant que la compagnie était encore très jeune pour développer un jeu vidéo qui pour une compagnie qui n'a pas nécessairement une grosse notoriété. Est-ce que c'était THQ comme la WWE, tu sais-tu? Je pense pas, non. À l'époque, c'était THQ. Ouais, ouais. Mais on se souvient, il y a tellement eu des bons jeux. SmackDown vs. Raw, WWE. Je me souviens de jouer chez mes amis au PlayStation 2. Oui, à WCW, NWO, puis WrestleMania 2000 sur le Nintendo 64. Ça a passé. No Mercy aussi. Oh, oui, c'était ça à coche. Maintenant, nous allons enchaîner avec les résultats du pay-per-view Impact Wrestling qui a eu lieu le samedi 12 juin dernier. Et oui, vous allez m'excuser. Je sais que dans un récent podcast, j'avais dit que ça s'appelait Slammiversary. Mais Slammiversary, c'est en juillet et non... En tout cas, cette année, parce que normalement, c'était en juin, là, c'est rendu en juillet. Ouais, c'est ça. Comme les pay-per-views de la WWE, des fois, ils inversent ça. Comme là, c'était Hell in a Cell qu'il y avait eu. Habituellement, c'est en octobre, Hell in a Cell. Ils mélangent ça des fois, puis ça nous mêle. Mais gros mois de juillet, hein, pour le monde de la lutte, il va avoir, dans le fond, Battle Riot de la MLW. Ouais. Qui se déroulera, dans le fond, la journée juste avant notre fête, le 10 juillet. Vous nous souhaiterez bonne fête d'avance, les amis? Ouais, vous êtes mieux pas oublier, là. Tu voulais parler des participants, les participants présentement qui faisaient partie du Battle Royale. Oui, c'est ça. En ce moment, il y a Alex Hammerstone, King Muertes, Richard Holiday, Lee Moriarty, Senshi et Savio Vega. Ah, Savio Vega était rajouté? Oui, je crois que oui. Alors, pour les résultats du pay-per-view Impact Against All Odds, je vais enchaîner avec le premier combat qui était Sami Callihan et Tommy Dreamer qui ont défait les Good Brothers, Doug Gallows et Carl Anderson dans un street fight match. Et là, tu vas être d'accord avec moi que dans un pay-per-view, tu ne pars jamais un show avec un street fight match, franchement. Oui, pis non, Ben. Street fight match, ça peut être mis un peu n'importe comment, sauf que moi, ce que j'ai un peu détesté de ça, c'est que c'est un street fight, mais les gars, ils ont resté autour du ring, tu sais, il y avait la possibilité de pouvoir se promener un petit peu partout dans l'amphithéâtre, se promener à l'arrière-scène, innover un peu, puis ils ont voulu changer la formule, puis ça a plus ou moins marché, par exemple. Non. Normalement, ils n'ouvrent pas avec un match de la main. Non, c'est sûr. Mais je m'attendais à plus, tu sais, je m'attendais à de l'innovation, je m'attendais à des choses, le fun, tu sais, surtout qu'on a des on a un vétéran qui est spécialisé en hardcore, en Tommy Dreamer, qui a fait des grandes choses. Puis quand j'ai regardé le combat, je trouvais que Tommy Dreamer, il est fatigué. Ce n'est plus le Tommy Dreamer des beaux jours. C'est ça.
Puis pour cette raison-là, nous, moi j'avais mis un 5 sur 10. Et moi donc. Et toi aussi? Oh, on bien ordinaire. Toi, t'avais mis quoi, toi? J'ai mis 5 sur 10. 5 sur 10 aussi? Ok, ben crime, on s'ostinera pas trop longtemps. Mais il y a une affaire qui était pas peu pareil. Le costume de Tommy Dreamer avec les petits picots jaunes pour rendre hommage au défunt Dusty Rhodes. Oui, oui, oui. Ça, j'avais trouvé ça pas pire. C'est un bel hommage qu'il a rendu. Yes, yes, yes. Ensuite, juste avant, j'avais pris des petites, oui, des petites notes à propos de ça. Tommy Dreamer, ben c'est ça que tu viens de parler dans le fond des picots. Mais c'est ça, je m'attendais à beaucoup plus de surprises du côté de Tommy Dreamer. Puis j'ai remarqué que dans le combat, Cal Anderson, il a fait genre un cutter. Puis qu'après ça, genre Tommy Dreamer, il a refait un cutter. Tu sais, c'est quoi, c'est-tu le festival genre de Festival des DP ou Randy Orton? Non, mais c'est. Tu sais, ce que j'ai trouvé plate, c'est que c'est comme s'il n'y avait comme pas eu de structure au niveau du combat, puis qu'il faisait tous les mêmes moves. T'sais, c'est super important de varier ces moves. Ou si vous les faites, faites-les de façon intensive. T'sais. Comme on pense à la saga Chris Benoit, Brock Lesnar, puis Kurt Angle, qui c'était des souplesses par-dessus souplesses, puis plein de choses. T'sais. Oh, ouais, mais c'était intense, mais c'était bon. T'sais. Mais je voyais que c'était un petit peu poche. Puis d'ailleurs, j'ouvre une mini parenthèse, mais Callahan, pendant le combat, je sais pas si tu as remarqué, il est venu frapper l'arbitre pour couper un pont. Ouais, c'est vrai, dans le courant du match, oui. Quand tu copes un arbitre, il arrive quoi normalement? Ouais, c'est une disqualification. Mais là, c'est un street fight. Peut-être que c'est un ODQ, un street fight à quelque part. Wow. Ouais, je sais que c'est. Faut t'en c'est... Moi si je me mets dans la peau d'un arbitre. Psychologiquement, j'aurais dit. Ouais, exactement. Tu sais. Je trouve qu'il y avait comme un manque de psychologie dans ce combat-là. Une chance que le finish, le Magic Killer, ben c'était pas le finish, là, mais ils ont fait le Magic Killer à Sami Callihan. Ça a sauvé un petit peu le combat. Yes, c'était bien exécuté. Ils ont un beau finish. Ben, je ne tripe pas sur ces deux lutteurs-là, mais ils ont un beau finish. Ça, je les accorde. Oui, oui. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse à propos de TNA, mais oui, vas-y. On a vu la période. Ben, je savais même pas, en fait, c'est qu'on écoute, j'écoute pas TNA, mais D.L. Brown est maintenant animateur là-bas à TNA. Il est animateur. Oui, il était. Il fait des entrevues comme Jerry Borash. Oui, oui, je l'ai vu, mais on dit qu'il avait l'air gêné quand que je l'ai vu. Je me demande si genre il est pas encore traumatisé de sa blessure avec Droz. Peut-être. Mais tu parles de TNA et Vintage un peu, là. Ouais. Est-ce que tu savais que Don West, qui animait, qui commentait avec voyons, c'est quoi son nom, Mike Tenney, il a le cancer du cerveau, Don West. Ah ouais, ah, mais je savais pas. Là, il a commencé sa chimio il y a quelques semaines. Mon Dieu. On lui souhaite un prompt rétablissement. Yes. Ensuite de ça, il y a eu un single match. C'était Joe Doring contre Satoshi Kojima. C'est très bon. Hey, c'était excellent. Moi, j'ai mis un 7.5 sur 10 et moi donc? Sur le combat. Et c'était très stiff, c'était sauvage. Mais des chops, c'était bon. Mais ça faisait penser au typique combat de la New Japan. Tu sais, les vieux. Là, ah, mais c'était bon. Là, c'était, ouais, oui, c'était stiff. Puis honnêtement, il y avait une belle chimie. C'est de valeur qu'il n'y avait pas de foule parce qu'il y aurait eu des belles. Des belles réactions de la part des fans. Joe Daring, c'est pas pire son personnage, un mélange un peu de Hulkler, Ron Best et Stan Hansen. Ah oh ouais, c'était vraiment cool, honnêtement. Ça finit avec un Liger Bomb en plus. Ouais. Ça, probablement, c'était un clin d'œil à Visto. Joshin Liger, c'est l'inventeur du Liger Bomb. Yes. Ça a été un clin d'œil, mais c'était très bien. Ensuite de ça, il y a eu un five-way match pour déterminer, dans le fond, l'aspirant numéro 1 pour le titre de la division X. Ouais. C'était Petey Williams, Trim Miguel, Ace Austin, Chris B et Rohit Rayu. J'ai de la misère à dire son nom. Rohit Rayu, ça doit être un genre d'indou. C'était un excellent combat et on peut s'entendre que. C'était le match de soirée. C'est ça, c'était sans contredire le meilleur match de soirée. Ouais, ouais. Puis, remarquable. Le gagnant, c'était. Il n'y a pas eu de gagnant. Dû à l'intervention de Madman Fulton, le gros barbu qui est arrivé à la fin, qui a fait des gros bêtes, là, qui a battu tout le monde. Et la grosse bête de Madman Fulton, dans le fond. Fulton, oui. Oui, c'est ça. Il est venu faire en sorte qu'il n'y a eu aucun gagnant. Match. Mais étant donné cette intervention qu'il n'y a pas eu de gagnant, ce combat va se transformer en Ultimate X à Slammiversary. Puis je pense que Madman Fulton est impliqué dans le combat, mais ça, je m'en souviens pas par cœur personnellement. Ça se peut, mais un bon 7 sur 10. Moi, j'ai mis 8.5 quand tu veux. Ok, parfait. Donc, on est rendu. W. Morrissey a battu Rich One dans un match. Honnêtement, David contre Goliath. Là.
Force versus iFly. C'est pas bon ce combat-là. Moi, j'ai adoré. Je trouve tellement que Morrissey est beaucoup mieux utilisé à Impact Wrestling qu'à la WWE, personnellement. Mais. Il est plus en shape, tu vois, il est plus cut. Ouais, plus, mais. Je trouvais pas qu'il était efficace dans le ring. Je trouve que, honnêtement, là, ça y prend. Faudrait qu'il lutte à tous les jours. Là. Il manque de. Mais son powerbomb, c'était hot, là. Ouais, mais c'est pas. Ah, c'est ça, tu peux pas évaluer un lutteur sans un powerbomb. Non, 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 mais c'est un Kevin Nash, là. Il va faire des sidewalk slams, des powerbombs, ça fait de même. C'est un Kevin Nash. Mais il est pas tant super bien utilisé, là. Match de shape, un peu. C'est ça, tu sais. S'il est gros, là, le combat, là, faut que ça dure 8 secondes. Cependant, Rich One. Ouais, belle petite parenthèse de Kevin Nash contre Bob Backlund pour le WWE Championship en 94, bien sûr. Rich One, en tout cas, il est tout le temps bon. Ouais, lui, Rich Fly, One, ouais, Rich One, c'est lui qui a sauvé le combat. Ah oui, il était très bien. J'ai l'impression qu'il est... Il ferait un bon match contre un ballet, Rich One. Ouais, c'est sûr. Il était champion Cruiserweight à la WWE. Très bien. Il fait un standing 450. Il n'a pas besoin de se mettre ça à toi, puis il fait un 450. C'est rare, là. Ouais, vraiment. Ensuite de ça, il y a eu un combat simple, féminin. Mettant en pause Tennille Dashwood. Anciennement Emma, la WWE, oui, australienne. Contre Jordynne Grace, c'est une ontarienne, hein, ou une américaine. Je me souviens pas. Mais. En tout cas, c'est une anglophone. C'est ça, exactement. Puis, ce combat-là, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Oui. Oui, il y a une belle intensité, une belle chimie. Combat 7 sur 10. Un petit paquet à la fin, c'était pas peu. Le petit paquet, c'était Bastet. Un petit paquet heel, là. Tu sais, pour crosser le face, dans le fond. Yes, un peu à la Kurt Angle, un peu, là, quand il était heel, puis il battait le face. Ouais. Belle mention aussi, Jordynne Grace a fait un Timber Slam. C'est un peu comme le finish de Mark Henry. C'était un genre de... C'était super bien exécuté. Et puis, il y a eu un Phil Nelson qui faisait tourner son adversaire... J'ai trouvé ça vraiment cool. Là. Oui, oui, bien, dans le courant du combat, c'était très bien. Ouais, c'était vraiment bien exécuté. Puis, belle mention à Jordynne Grace parce que je trouvais que c'est elle qui a vraiment leadé le combat. Puis, on voyait qu'il y avait vraiment une belle psychologie puis une belle mentalité derrière le combat. Seul petit point négatif que j'ai remarqué durant ce combat-là, puis ça arrive souvent lors des combats féminins. Puis je dis pas que les combats masculins ils le font pas, mais pour avoir déjà eu ce commentaire-là pendant des combats, les lutteuses, ben dans ce combat-là surtout, ils appréhendent le mouvement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que dans le fond, mettons. On sait ce qui va arriver un peu. Ben oui puis non, c'est que ils se placent un petit peu trop d'avance pour faire leur mouvement. Par exemple, mettons, ils veulent faire ils veulent faire un hip toss. Ben, tu sais, la personne va whipper l'autre dans l'air. Elle va déjà se placer pour l'attendre. Ouais, ça, c'est vrai. Des fois, là, prendre un 2-3 secondes de pas se placer puis de le faire juste à la dernière minute, t'sais, ça me fait penser un petit peu à Mick Foley quand il mangeait des coups de poing. Mettons qu'il mangeait un coup de chaise, tu sais, à la dernière minute, il mettait sa main. Ouais. Mais bien vite, tu le voyais pas, tu sais. Tandis que, tu sais, il y en a plusieurs qui ils vont manger un coup de chaise, puis ils vont mettre leurs mains quasiment à la caméra. Ouais, c'est ça. C'est plein de petits détails comme ça, mais sinon, le combat, pour vrai, c'était excellent. Puis, belle note de 7 sur 10. Nous allons enchaîner maintenant avec le championnat tag team des Knockouts de la Impact Wrestling, parce que eux autres, ils disent pas les divas, ils disent pas les women. La division féminine, c'est les Knockouts, dans le fond. Ça a impliqué Flair et Flava, qui implique Kira Hogan et Tasha Steelz, qui ont défait Kimberly et Susan par pinfall, là, avec un beau frog splash à la fin. J'ai pas aimé ce combat. Ben moi, j'ai trouvé qu'il aurait pu complètement enlever ce combat-là. J'ai mis 5 sur 10. Moi, j'ai mis 6 sur 10. Satisfaisant, ouais. Mais pas de la capoteuse. Ouais, moyen, ça. C'est ça. Ensuite de ça, il y a eu, un combat par équipe. Pour le championnat Impact masculin et tag team. Mettant en pause Violent by Design, donc Diener et Rhino, face à Black Taurus et Crazy Steve. Pas pire, Black Taurus, son reste. J'adore Black Taurus. Tu sais, la WWE, je cherche souvent des gens qui se distinguent puis qui look. Black Taurus fait partie de ça. J'espère qu'un jour ils vont le signer à WWE. Je trouve qu'il. Ah oui, il dégage pas de très bien. Ouais, c'est vraiment nice. Puis j'ai mis un 8 sur 10 sur le combat. J'ai trouvé qu'il était quand même excellent. Puis j'ai aimé
J'ai aimé beaucoup Rhino durant le combat et la raison pourquoi j'ai mis un 8 sur 10, c'est que j'ai vu dans une courte période Rhino et Taurus et Black Taurus dans l'arène. Et puis j'aimerais ça qu'il y ait un single match un jour entre Rhino et Black Taurus. Je pense que ça serait un meilleur combat. Ça serait meilleur parce que moi ce que je dis, c'est moi j'ai mis un 7 sur 10. Là. L'ensemble du combat était très bon, mais je trouve pas que Rhino a fait grand chose. C'est plus Deaner qui a fait le. Ouais, c'est vrai. Mais je n'enlève rien à Rhino, c'était un excellent lutteur. À ICW, il était hot. Ouais, c'était. Mais, à TNA, t'as fort ici. Rhino, il est bon en single. Je pense que oui. Ouais. Hein. Peut-être parce qu'il veut faire prendre l'expérience à Deaner aussi. Là. Ben, c'est un vétéran, fait que ben, c'est ça, il reste avec les jeunes pour lui montrer. Exactement. Huitième combat, Dina Purrazzo a défait Rosemary by pinfall. Le championnat simple des Un combat 10 minutes, 6 sur 10. Ça m'a pas impressionné. Je trouvais qu'il y avait une bonne chimie, une bonne intensité. Des deux lutteuses d'expérience. Ça doit paraître. Ils ont déjà travaillé ensemble, hein, dans le passé. C'est sûr, mais j'aurais aimé. Mais le package par le driver, tu m'as pas que c'était pas beau. C'était beau, mais j'aurais complètement enlevé le combat, je pense. Puis. Tu sais, Jordan Grace puis Tennille Dashwood, là, tu sais, mène ceinture dans ce combat-là. Ça aurait été incroyable, tu sais. Puis la raison pourquoi j'ai mis un 6 sur 10, c'est Dina Purrazzo, t'es la championne. Quand t'es championne, assure-toi de faire des bons combats. C'est toi qui représente la compagnie. Ils te font confiance. Ben, assure-toi de livrer la marchandise. Si tu livres pas la marchandise, autre-toi de là, on va en prendre un autre. Ouais, mais pour aussi bien perdre à Slammiversary, on ne sait pas le jour. Non, je sais, mais ça reste que quand tu as une ceinture sur ton épaule, ouais, je comprends. Tu sais, tu représentes la compagnie. Puis là, j'ai pas trouvé qu'elle avait livré la marchandise. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et tu la partages. Et la partage. Maintenant, nous allons enchaîner avec le main event de ce merveilleux gala. Qui était. Ce combat-là, il a pris. Il était à Jacksonville, au Daily's Place. Fouille-moi pourquoi. Pour moi, ça a été filmé d'avance. Moi, je pense qu'il était. Il n'était pas à Nashville, il était. Non, c'est sûr. Il était à Jacksonville. Ben, en fait, c'est avec les histoires de COVID, c'est un peu compliqué. Ouais, j'imagine que Omega ne pouvait pas se déplacer ou quelque chose du genre. Puis, ils ont décidé de faire le combat à. Peut-être que Kenny Omega a fait deux combats le même soir. Puis, c'est une histoire de contrat puis de salaire, c'est sûr que c'est à cause de ça. Puis ils l'ont pas fait déplacer. Parce qu'il y avait. Jacksonville, c'est la maison mère de la AEW. Fait que j'imagine que dans le fond, c'est pour ça qu'ils ont fait le combat là-bas. Alors, ça devait coûter moins cher à déplacer Moose que déplacer Omega. Ça l'impliquait Kenny Omega, le champion de la Impact, qui a défait Moose. Je trouve que c'était des bons spots, moi, sérieux, c'est un bon main event, rien à ajouter. Excellent combat, moi j'ai mis 7 sur 10. Moi j'ai mis 8. Ok. Puis la raison pourquoi j'ai mis un 7? La maudite intervention des Young Bucks à la fin. Le combat trop long. C'est vrai qu'il était long un peu, mais il avait des beaux spots, faut lui donner ça les gars. Là. 22 minutes, presque 23. La Lario que Moose donne à un moment donné, c'était stylé. Ah, ça rentre, mais tu sais. Moi je l'aime pas, mes gars, j'arrête pas d'en parler, mais ça reste que je suis capable de te dire que c'est un bon lutteur. Oh, il est très bon, Omega. C'est un excellent lutteur. C'est le visage de la AEW, le visage d'Impact Wrestling, le visage de AAA. Exactement. Donc, c'est ici que se termine le podcast numéro 6 sur la lutte professionnelle. Et on vous revient pour un prochain podcast. Soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest ruffler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again, how you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office."